Boris le philosophe, Mr. Boriness, moi t'es lésion, big up, écoute ça mani. Au dès qu'on se réveille, avant que notre monde disparaisse. Yeah, ok, écoute ça. Il y a des chats qui sont les grands, quelques ceux à qui la grandeur, lorsque d'autres réalisent la grandeur. C'est l'histoire de monde ne pouvant pas faire. Un monde dormi de femme, tout le monde se hait. Là où la vie n'aura jamais de naître, où nulle paix est accordée à chaque être. La mort est la source de vie, la vie n'existe même pas. Seul amour nous séduit. Pourquoi tant d'amour pour la haine? Pourquoi tant de haine pour l'amour? Si tout le monde veut mourir, autant le faire par les peines, au lieu d'entendre et souffrir. Nous ne voulons pas mourir, mais nous voulons tuer. C'est quand on peut fuir qu'on ne peut voir le jour d'après. Le mariage n'existe plus, l'amour a quitté sa demeure. Et désormais, on garde le goût et le plaisir du sexe. Alors, il faut jouer en semblant, en mendiant, et en rescapé d'une telle froide. On ne dit plus que je t'aime, que je t'aime. Mais on fera pour qu'on nous t'aime, pour qu'on nous t'aime. Pour qu'on nous t'aime, pour qu'on nous t'aime. Pour qu'on nous t'aime, pour qu'on nous t'aime. Ben je dis que le monde est cruel, rebelle. Mystérieux, non, mais quelque chose est sûr, que l'amour n'existe pas. Comment aimer la vie si on n'a pas de repli? Qu'on nous massacre parce qu'on est dehors à minuit. On dit que la guerre est une affaire, que tuer est la pire chose qu'on ne puisse faire. Mais la paix a disparu, la haine et le pouvoir ont pris le dessous. Je ne puis vivre ici pour souffrir à chaque instant que je vis. La guerre a existé et existera toujours. Notre espèce est minable, incapable de différencier la haine et l'amour. Ce qui a été dit est basé sur des faits réels que j'ai moi-même vieux vécu. Parce que je pense qu'on a pris la mauvaise voie. Bordel, on m'a toujours dit que le monde est dur. Mais en réalité, au fil du temps, j'ai compris que le monde n'était pas dur, mais que ce sont les hommes qui sont durs envers le monde. Putain, négro, écoute mes tests de doléances et tu verras que Boris le philosophe est venu dans les bacs. Même s'il y a des gens bien, il y a toujours d'autres qui nous gauchons la vie. On parle de monde en paix, or la paix et l'amour ont quitté leur demeure depuis des années et des siècles. Comment aimer la vie si on n'a pas de repli? On nous massacre parce qu'on est dehors à minuit. Comment aimer la vie si on n'a pas de repli? Qu'on nous massacre parce qu'on est dehors à minuit. La méchanceté a pris le pas devant la fraternité. La violence, atrocité, pour l'unité. La vérité est contestée, le mensonge approuvé. Le tableau de la trahison est hissé. Trop de démons, à guise de prêtre propage le péché. Car nul ne peut les empêcher. La puissance de la haine se lit dans les yeux de joue en joue. La misère, bon, on est sur eux, mais pourtant d'autres sont heureux face à tout ce qui se passe. Je ne crois plus aux miséricordieux. Le mal a pris trop d'avance, possède notre corps, nous contrôle, nous dérange. Le monde se présente comme un énigme, parsemé d'embûches aujourd'hui nous divise. On nous parle souvent des Nations Unies, et oui, que faisons-nous réellement pour être unis? Si entre frères putain, on se tue pour des intérêts tordus, l'espèce humaine est devenue tordue. Alors je ne crois plus en ce monde, un monde obscur, sans sens et touffu. Le monde fonctionne à l'envers, on nous parle de paix, tout va de travers. Faudrait que nos ancêtres se réveillent avant que notre monde disparaisse. Où est-ce le philosophe dans son test de doléance à la nature pour un monde meilleur? L'eau.